Salut à tous, on se retrouve donc avec le scénario de Sion. Donc un petit rappel hein, pour le scénario de Sion, il fallait qu'il... Bon, il est dans le ciel, là, chez Danan. Et il fallait qu'il rencontre les quatre divins Danan pour redescendre. Donc on a déjà combattu un qui s'appelait Manjusri, je sais pas si vous vous rappelez. Et là, on va retourner prendre le train. On regarde un peu la carte. Vous voyez, Roma, c'est là où on était avec... Enfin, là où on sera plutôt, parce que là, c'est deux jours avant. Là où on sera avec Risa, une fois que les îles seront tombées. Donc là, il faut savoir hein, que vu qu'on est au jour 6, enfin là, on vient de passer au 7, justement. Voilà, vous reconnaissez le décor, normalement. Les îles ne sont pas encore tombées du ciel. Ah, c'est cette partie-là qui va tomber. Bon, normalement, vous allez reconnaître la ville. C'est exactement pareil. Bon, on arrive donc à Roma. Mais bon, c'est un des quatre divins d'Anan qu'on doit rencontrer. Là, on retrouve exactement la même chose. Heureusement qu'on a des bons... pas mal de fric. Du 11, 422. La main. Ouais. Putain, je vais l'acheter. On a des ruines de glam, hein, je vous rappelle, on avait récupéré l'épée. Donc voilà, c'est l'ignon. J'ai le bois à la con. Ça, très utile. Je sais pas pourquoi, mais avec l'équipe de Sion, il y a tout le temps plein d'équipements. Vous allez voir bientôt. On dit rien de ça. Ah si, ouais, je sais pas. Ça vaut pas trop le coup pour l'instant. Ouais, non, c'est pas la peine. Voilà. On va pas en se reposer. On va sortir de la ville des sirènes. Et on va aller, voilà. D'en haut, on voit le continent pollué. Parce que je vous rappelle que ce continent va tomber justement sur le continent pollué. Et là. On voit la purification de la Terre, faite par Risa le même jour. Voilà, je trouve ça vraiment sympa quoi. De voir les conséquences des autres scénarios sur celui-là. Alors, je ferai exprès de pas passer par la forêt pour rencontrer mon monstre. C'est une espèce de gars minable qui fait ça. Minable. Alors. Voilà, bon, les ruines de Frey que j'avais visitées avec Risa, mais je l'avais pas dit exprès. Enfin, je vous l'avais pas dit. Je vous l'avais pas montré exprès. Parce que de toute façon, on allait le faire avec son. Putain, mais il fait des dégâts de merde là, son effet quoi. Alors, au niveau des sorts, ouais, je vais vous dire.
Au niveau des sorts, c'est pareil. Je fais comme avec l'équipe de Risa. Ouais, j'ai mis les sorts là, sort de défense. Ça, c'est toujours des sorts que j'ai gardés comme ça. Je vais essayer de remettre Glam pour voir. C'est marqué glaive anti-chaussure, peut-être que ça fait des bons dégâts ce moment. On va voir ça. Bah ouais, il fait des plus gros dégâts avec ça. On va pas chercher à comprendre. Tant mieux. En fait, il a une attaque de merde avec son épée, sauf que comme elle est anti-chaussure, apparemment, tous ceux qui ont une grosse armure, ça passe à travers. Donc ça, finalement, ça fait plus de dégâts. Je crois que ça doit être ça. Hein. Ça, c'est un nouveau sort qu'on va pas avoir. On va pas utiliser encore. Elle en fait elle fait plus de dégâts parce qu'elle a plus d'agilité. Du coup elle fait plus de critiques, etc. Alors. Vous allez voir, elles sont pas longues alors. Hein. Très courtes. Hein. Voilà, on est régénéré. Ça me fait penser qu'avec le groupe de semaine, il va falloir XP là, parce que c'est vraiment de la merde. Là, en fait, il faut passer au milieu, et on peut passer comme ça. On a hop 6. Qu'est-ce que c'est, un habit, un... Ouais. Hop 6, non, c'est pas ça. Oh, des bottes, ok. Que augmente la force. Moi je vais le mettre à lui. Et apparemment toutes les bottes augmentent la vitesse également. Alors le nom de la masse quoi. C'est-à-dire qu'à la base c'est lui qui faisait le plus de dégâts. Ouais, putain. En fait c'est un mage. Alors pourtant c'est lui le plus gros et tout. Mais... On obtient un fouet. 16 pour faire. Si c'est sûr. Ça augmente pas mal l'attaque d'ailleurs. Ça servait vraiment de lui acheter des trucs hein. Enfin, bon. J'ai l'impression qu'elle fasse beaucoup plus de dégâts personnellement. On va en faire enchaîner là. Ah elle fait des bons critiques quand même. Là, regardez, on va arriver devant un autre Danan, un divin Danan, un de 4, il s'appelle Opsis, celui qui transmet la vérité. Et si vous vous rappelez bien, quand on avait planté l'arbre avec Risa, il y avait un prophète du nom de Opsis qui nous avait parlé, donc c'est lui. Voilà, là je vais. Alors lui, ça ne l'arrange pas de se battre sur. C'est un guerrier, faut pas oublier.
Alors on va augmenter l'attaque et on brûle. Donc une technique plus souvent, hein, mais bon. C'est efficace, on va pas s'en priver. Et l'idée de mettre une musique de base différente pour chaque perso, c'est sympa aussi. C'est un peu de la merde ce qui vient de faire. Vous allez voir, il est pas spécialement fort. Il fait des attaques d'eau et de vent apparemment. Et il attaque toujours en dernier, pareil. Comme la plupart des boss qu'on a rencontrés jusqu'ici, du coup... regardez les dégâts qu'on fait. Merde. Ça, je crois que ça peut geler. Je suis sûr qu'en le brûlant, on peut l'achever. Ouais. Voilà, c'est une merde. On a éclaté, là. Alors là, vous devrez remarquer un truc. Vous remarquez pas. C'est exactement le même dialogue que Risa a entendu lorsqu'elle était sous l'arbre. Donc en fait, tout ce qu'on a entendu, c'est la discussion entre le groupe de Sion et Top 6. Lorsqu'on a régénéré l'arbre. Voilà, donc on a déjà vu ce dialogue. Hein. Sauf que là, on savait pas qui étaient les autres, donc on voyait des points d'interrogation à la place. C'est pour ça qu'on comprenait rien, quoi, quand on était en bas. Ouais, vous vous rappelez, dans San Rodriza, on voyait dialogue et on savait que c'était Top 6 à partir du moment où Cure le disait. On savait pas qui était les autres. Ouais, vous voyez qu'il y a Meifa dedans. Voilà, ça on le voyait plus. Hein. À partir de là, on l'avait pas entendu avec César. Voilà, Ohorn et Magie Plus. Il est mieux, Magie Plus. Donc, mieux deux. Je sais pas que j'avais ça moi. Alors. On va redescendre. Je vois que moi je n'ai rien, je l'ai pas touché. Je le prends à la ville. Attendez, il y avait deux coffres. On n'a pas attendu. Ça. Ouais, d'accord. Ça doit être par là. Alors. Eh, mais attendez là. C'est pas fou. Il n'y a plus de monstre d'ailleurs, j'ai pas remarqué. J'ai rien dit. C'est quoi ces deux peuples?
dû louper une entrée quelque part. Oh, vous savez quoi? En fait, on s'en fout un peu, non? Voilà, c'est pas mal de voir ce que c'est. C'est bizarre, attendez, là c'est la seule entrée, là-haut il y a quoi? Il y a le coffre. C'est bizarre là. Bon écoutez, faut croire qu'il n'y a pas moyen. Je vais l'éviter là, parce que... Enfin bref. On va sortir d'ici. Je pense que c'était pas des coffres importants. Ou alors on les obtenait peut-être en passant par... Merde quoi. Tiens, ils sont en train de me faire louper la vidéo, c'est quoi? D'accord, c'est moi qui fais de la merde, non? Voilà quoi. Là on va faire les combats, sinon on va perdre tout notre temps. Voilà. Que c'était des coffres importants, ou alors on les a grâce à l'horloge, là. Non, on peut pas encore. D'ailleurs, je peux vous dire qu'avec Risa, on pouvait l'atteindre, la porte. La porte avec les billes. C'est-à-dire qu'après que le continent soit tombé, normalement, on peut l'atteindre. Ça doit être... bah, c'est bientôt, de toute façon, vous allez voir. Alors, on va se soigner. Bah écoutez, vidéo courte, mais je crois que je vais vous quitter ici en fait. Comme ça on va faire un d'un an par vidéo, ça sera plus simple. Bon, ouais, je crois que je vais faire ça. Bon, je sais pas si je reprends le train tout de suite ou pas en fait. Ben ouais, jour 7. Allez, je reprends le train encore une fois. Vous voyez, c'est pas compliqué hein. On prend le train, on bat un Danan, on prend le train, on prend un deuxième Danan, etc. Voilà. Voilà, le temple des Danans. Hop. Bah écoutez, ouais, je vous quitte ici, et puis on se retrouve à la prochaine pour le temple des Danans. Allez, à la prochaine.